Salut! Après l'énorme démarrage de notre formation Ableton Live 12, les clés de la composition, qui, je vous le rappelle, fait pour l'instant 42h39 minutes, 250 vidéos, 150 QCM, 200 questions, des presets à télécharger, des drums rack, et j'en passe. Et cette formation, bien sûr, évolue car tous les jeudis soirs, il y aura un nouveau contenu. Donc je voulais déjà vous remercier pour tout ça parce que ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est encore à moins 80% jusqu'au 31 mars. En sachant que Ableton Live 12 a annoncé officiellement la sortie de cette nouvelle version, donc pour le 5 mars. Et du coup, eh bien, je suis en train de préparer une autre formation, les clés de la composition, mais d'après vous, avec quel logiciel? En sachant que pour l'instant, il y a déjà 14h49 minutes de vidéos tournées, plus de 80 vidéos pour l'instant. On va retrouver les chapitres avec le rappel pour les débutants, le rappel pour les avancés, les nouveautés, les sons, les effets audio, les effets MIDI, les drums, les basses, la théorie musicale, l'harmonie, les mélodies, les sons FX, le mixage, le sound design, les logiciels IA, intelligence artificielle, les packs, composer, produire, les secrets, le chapitre 20, je peux pas vous donner le nom sinon vous allez trouver de quel logiciel il s'agit. Ensuite, on a le meilleur contenu tierce gratuit, nos presets et enfin le logiciel et le matériel. Je vous donne donc rendez-vous dans 5 semaines pour vous dévoiler cette nouvelle super formation. Mais allez-y dans vos commentaires, hein, n'hésitez pas à me dire d'après vous sur quel logiciel va être attribuée cette formation. Bonjour à tous, Bijou Studio Musique est très heureux et donc moi-même vraiment très heureux, très fier de vous présenter notre formation Ableton Live 12, les clés de la composition. Après 5 mois de travail, j'ai voulu une formation complète et ludique. Avec toutes mes connaissances acquises depuis plusieurs décennies, Ableton a été mon tout premier logiciel sérieux de MAO. Et je vous livre tout mon savoir dans le but que vous deveniez toujours meilleur dans la composition et production de musique avec Ableton Live 12. De plus, notre formation n'est pas figée car chaque semaine, je rajouterai du nouveau contenu. Et ceci sans surcoût, bien évidemment. Quelle que soit la musique que vous faites, quelle que soit votre personnalité de musicien et musicienne, il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer dans Ableton Live 12. Notre formation vous fera gagner un temps fou grâce à notre savoir-faire. L'essayer, c'est l'adopter. Vous retrouvez d'ores et déjà 26 chapitres avec pas moins de 244 vidéos qui sont déjà disponibles. Plus de 41 heures au total de durée. Vous retrouvez en plus 129 QCM avec, pour l'instant, 286 questions. Les deux premiers chapitres sont entièrement gratuits et vous pouvez, en vous connectant sur le site, y accéder directement
avec le premier chapitre qui est le rappel pour les débutants. Donc si vous débutez complètement avec Ableton Live 12, vous pouvez suivre ce premier chapitre. Si vous avez déjà des connaissances, vous pourrez passer au chapitre suivant qui est le rappel pour les avancées. Vous retrouvez ensuite un chapitre avec toutes les nouveautés que propose Ableton Live 12. Avec au chapitre suivant les sons, c'est-à-dire tous les instruments virtuels fournis avec Ableton Live 12. Tu retrouves ensuite tous les effets audio fournis avec Ableton Live 12 avec une description complète de tous ces effets. Même chose, je vous décris également dans le chapitre suivant tous les effets MIDI d'Ableton Live 12. Ensuite vient un chapitre consacré aux drums, aux batteries, où tu vas apprendre à créer des rythmes, à améliorer tes rythmes, à créer des batteries avec le drums rack d'Ableton par exemple. S'ensuit un chapitre sur les basses avec les lignes de basse, mais aussi la fameuse 808, du walking bass également, des lignes de basse des années 80 et plein d'autres choses encore. Ensuite vient un gros chapitre sur la théorie musicale. Tu vas apprendre bien sûr les notes, les gammes, les tonalités,
les modes, les intervalles, les accords, le rythme et plein d'autres choses. Et ensuite, le chapitre de l'harmonie avec les modèles d'accords, les arpèges, les riffs, les harmonies au piano, les harmonies orchestrales, les harmonies pour les cuivres, les chœurs, les synthés et l'harmonie à base de samples. Puis suivra le chapitre sur les mélodies. Ensuite vient le chapitre des sons que j'ai appelé FX, c'est-à-dire les effets, suivi d'un chapitre sur le mixage. Tu retrouves ensuite un chapitre sur le sound design, c'est-à-dire que je vais t'apprendre comment réaliser tel ou tel type de son avec tous les outils d'Ableton Live 12. Chapitre que j'ai voulu ajouter parce qu'il me semble très intéressant, surtout là maintenant en 2024, c'est les logiciels d'intelligence artificielle, AI ou IA. Donc là, je vais te proposer différents logiciels qui vont te permettre de t'aider à la composition. Tu vas aussi retrouver tout un chapitre sur le contrôleur Push 3 qui est à mon sens le meilleur contrôleur pour Ableton Live 12. Ensuite viennent deux chapitres intéressants car en plus ils ne sont pas beaucoup traités, que sont les packs qui sont fournis avec Ableton Live 12. Alors c'est la version suite hein, depuis le début que je vous énonce et il y a énormément de packs à découvrir. Et donc le chapitre d'après sera tous les outils Max for Live, alors aussi bien les instruments, les effets audio, les effets MIDI, mais aussi pour apprendre à programmer vos propres devices Max for Live.
Chapitre 20, très important également, c'est le chapitre pour apprendre à composer et à produire. Donc, je vais vous enseigner les principes élémentaires et voir après plus avancé pour composer tel ou tel style de musique. Le chapitre 21, c'est les secrets. Donc là, en fait, je vais te dévoiler des choses, des techniques, des procédés, des effets, plein de choses intéressantes que tu ne trouves pas forcément très facilement dans Ableton Live 12. Ça, c'est à ne pas louper. Tu retrouveras dans ma formation des samples, des presets, des drum tracks, des effets MIDI, des exercices et encore plein de choses. Ensuite, je voulais, en plus de la formation très complète au niveau des vidéos, rajouter du contenu. Donc je vous proposerai nos racks d'effets. Alors ça peut être des racks d'effets pour guitare, mais aussi pour synthé, etc. Puis un chapitre sur nos drums rack avec le premier drums rack qui n'est vraiment à louper sous aucun prétexte, que j'ai appelé Metal One. Donc c'est un drums rack complètement dédié à la batterie métal et tu vas voir, ça sonne d'enfer. Enfin, tu retrouveras aussi nos presets avec des presets par exemple d'electric piano, des presets pour guitare, mais aussi pour basse, avec des logiciels également qui sont externes à Live. Le chapitre justement qui rejoint un peu ça, mais que j'ai appelé le meilleur contenu tiers gratuit. Donc là, je vais te proposer toute une liste avec des explications et démos vidéo, puis liens pour les télécharger. Il y a vraiment des tonnes de logiciels gratuits qui sont d'excellente qualité. Enfin, le dernier chapitre, c'est Ableton Live 12 et le matériel. Donc, si tu disposes de matériel comme machine MK3 de Native Instruments, eh bien, je vais te montrer dans des vidéos comment configurer tout ça avec des solutions payantes, mais aussi des solutions gratuites. Et il y aura pour différents autres types de matériel MAO. Je pense bien évidemment au Quad Cortex de Neural DSP, mais aussi à la console de chez Behringer, X-Touch, et d'autres suivront. Voilà, tu l'auras compris, je propose une formation que j'aurais voulu avoir à mes débuts en MAO et même maintenant parce que je l'ai voulu très complète. C'est inédit en France, il n'y a pas de formation aussi complète et même ailleurs, je ne sais pas s'il y a une formation qui est vraiment aussi détaillée avec des chapitres qui vont t'aider à composer, à produire, à bien évidemment utiliser dans des meilleures façons le logiciel Ableton Live 12. Je ne l'ai pas précisé dans la formation, mais je suis sur Mac, donc vous m'entendrez souvent utiliser le raccourci clavier commande. Si vous êtes sur Windows, il faudra juste le transposer avec la touche Windows ou contrôle. Enfin, pendant
un peu plus d'un mois, je te propose cette formation à moins 80%. Oui, moins 80%. N'hésite pas à venir nous rejoindre sur www.bijoustudiomusique.fr. Tu retrouveras la formation. Allez, je vous dis bon apprentissage et à très vite. Bye!